Bah écoute, c'est parti, hein, on va faire l'histoire. Où est-ce qu'on doit aller d'ailleurs? Là-bas. La seule issue. Je peux faire des couteaux de jet. D'écouter eux. Ok, bah moi je suis parti, hein. Après, si tu veux pas avancer, libère-toi. Oh, y'a quelqu'un. T'es mal à barre. C'est ma tête de la barbe. Oh! Mais non! Il va se taper, non? Ah non, il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde là. Quel genre de bug? Oh, j'ai une patate. Oh, il est mort, le pauvre! Il avait rien demandé. Vas-y, on avance. Attends, j'ai l'impression que du coup, mon volume de... Pardon. Pourquoi je dis pardon, c'est une voiture. Ah, on peut fouiller. Hey. J'ai l'impression que mon volume de jeu est pas assez fort. Moi, l'impression est moi tout le temps bien. Enfin, toi, tu kiffes trop trifouiller le jeu, après, tu sais plus remettre les trucs de base. Là, en fait, j'ai mis priorité à la partie. Pour qu'on entend plus ta voix, Priorité à droite. mais. Mais voilà quoi. Ah, c'est là-bas qu'il faut aller. Ouais. J'y fais le mec. Patate dans les guiboles. Oh, ça a starvé du zigounou. Par contre, ça va être compliqué de faire l'histoire sans armes. Je sais pas comment je vais faire. Mais si, mais t'as pris ça, t'as pris ce que j'ai. Mais non, je l'ai plus. Même tes frères que tu l'as plus. Oh, zi, c'est quoi ça? T'es un poil. Ah, mais c'est un humain. Je l'ai tapé gratos aussi. Non, y'a un humain, il veut me battre. Ah, tu veux, il prend son arme. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. C'était par où? C'est bon. Vide. J'ai pas pu prendre son arme. J'ai entendu son arme tomber, mais je la vois pas. Putain, j'ai pas le droit. Bon, vas-y, on avance parce que là. C'est la merde, hein. Je meurs de soif. Dégage de là. Étrange. Étrange ce mec. Il fait le mec là. Je sais pas, il est bipolaire. C'est où que l'on rentre là? C'est bon. Moi, j'ai ouvert. Wow, c'est très. Une bonne ambiance ici. Tiens, viens ici. Non, je dois explorer. Oh my god, incroyable. Je vais dans le bordel le plus proche. Salut mon mignon. Une bonne bavette. C'est bon, il y a plus de son là. Ouais, j'ai pas de Hey, son. regarde où tu vas. Ah, c'est bon, non, mais ce qui est fou, Crane. Il y a pas Eden moyen que tu y Maiden. arrives. Babaïden. Babaïden. Tu veux Hey. quoi, Econ? T'as envie de te faire de l'argent? C'est quoi le problème? Erzisch Willkommen. Tu serais pas le pèlerin qu'il voulait Pourquoi pour. mon trophée il est en allemand? Mec, t'as eu de la chance. Moi aussi. Ah, ça va alors. Utiliser un peu de cette chance. Je suis l'apprenti d'Alberto. Pas pour longtemps. Alberto! Aïe aïe! C'est la troisième fois que je tente ma chance à ce test. Si j'échoue encore, le maître artisan Alberto va me virer. Oh non. Ce qu'il me raconte, genre, bah écoute, ça se virer. C'est quoi un maître artisan? Je vais le faire à gauche, hein. Les maîtres artisans sont des personnes qui inventent de nouvelles technologies, conçoivent des innovations, T'as pas le choix. toutes sortes de gadgets qui pourraient aider au combat. On va écouter toute Alberto l'histoire est du grand jeu. maître du coin. Comme je le disais, je suis son apprenti. Les gens se M'en fous. méfient, car il est lent et pas très éloquent, mais c'est un vrai Parce qu'il est budget. noir. Oh, et oh. Oh, c'est un ça, monsieur.
C'est parce que je suis mis à droite. Ah, tu voulais mettre à droite là. Mais là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le choix. J'ai pas vu le truc. Puis une laisse de chien rétractable. Moi, je pensais qu'on devait voter et tout, mais en fait, non. Mais non, mais là, j'ai même pas de la. J'ai pas eu le choix, j'ai pas de. Le truc rond là où il y avait des trucs. Et je m'ai tout fait avec mon thé. Dernière semaine à me promener dans le bazar et à réfléchir. À réfléchir sérieusement. Et puis. J'ai pas du tout écouté ce qu'il disait. Nos chèvres. Non, non plus. On les garde dans des cages. Ce qui parle des chèvres. Carlos. Mais la vie en cage. Et si je fais ça? Ah, ouais, ça passe. Une clôture. Alimentée par un tout petit peu de tension. Cela garderait les chèvres sous contrôle, mais leur permettrait de tirer plus de lait. J'ai appelé cette invention la clôture électrique. Ouais, bizarre ton pote. Je connais pas. Vas-y, vote pour voir. Ah ok, et moi je vois ton vote. D'accord. Bon, alors, c'est quoi le problème avec votre invention? En gros, c'est le leader de la partie qui choisit au final. Et elles sont pas faciles à trouver. J'ai peur de pas être prêt à temps. T'es où assiste? Si tu les trouves pour moi, je te donnerai une de mes inventions super cool. Non, mais tu crois que je suis chronoposte ou quoi, t'es ouf. Il a qu'à nous donner une chèvre en vrai. Plus intéressant. Ouais, et pas pour du blé. Je l'ai démontré pour récupérer les résistances pour la et d'autres choses utiles. Ah si, mais pas le sien. Voilà. À deux endroits. Il y a un magasin de bricolage. Il y a un magasin de bricolage près du château d'eau. Ah ouais, Villemonde. Alberto dit qu'on peut en trouver là pour sûr. Mais c'est un lieu sombre. Plein de créatures transformées. Tu dois y aller la nuit. Et l'autre option? Ce qui reste des patrouilles militaires. Je connais un endroit au sud de Horshu. Près de la vieille sous-station électrique. Les bandits rôdent dans la zone. Donc il est possible qu'il reste rien là-bas. Dans ce cas, tu devras chercher d'autres restes de patrouilles ou faire un tour de nuit au magasin. Je vais voir ce que je peux faire. Il parle longtemps. Mais je peux rien promettre. Je te serais très reconnaissant. En fait, le mec il veut qu'on sorte tout le temps la nuit en fait, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais ça me fait penser vraiment au premier jeu. Un peu. Maintenez poursuivre. Ouais, bon. Je sais pas si on fait ça. Hein. Eh, mais c'est con parce que. Quoi? Il dit. Viens. Regarde-moi. Filme mes pieds. C'est con. Quoi? C'est con parce que. il dit, ouais, il y a plein de créatures transformées. Donc il faut aller la nuit. Ouais, mais je pense que c'est. Il veut dire que vu qu'elles sont dans la rue, elles sont pas dans leur camp en fait. C'est pour ça que ça me fait penser au premier jeu. Il y avait une mission comme ça. Ah, ouais, peut-être. C'est le pèlerin. Regarde, un enfant. Flèche incendiaire. Qu'est-ce qu'il fait le man? Quoi, 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 quoi. Tu fais des sucettes, tu fais des bonbons. Quoi, quoi. Ouais, il fait comme toi. J'ai des bonbons dans. Avec une camionnette. Et il prie. Chou ton fils. Je suis devant toi. Je suis devant. Je suis surpris. Vas-y, c'est lui. T'es un pèlerin, toi, pas vrai? C'est vrai. Oui. Tu prends les gens pour ça aussi? Oui. Je voulais juste te dire que. Bah, que je te soutiens. T'as sa voix, pas par rapport à son corps. Ouais. Mais je. Ce que je me disais aussi. Ah, je comprends. Sarcasme. Écoute, c'est pas si facile d'aller contre la foule. Bien sûr. Je sais que les gens ont peur des pèlerins parfois, mais. Merde. T'as survécu en dehors des murs? Waouh. Ça devait être quelque chose. Oui. Donc? Je sais pas. Je pensais que c'était lui, mais. Peut-être pas. Alors, Miguel. Miguel, eh oh, Miguel. Miguelito. Il y a un mec qui faisait du rap. C'est quoi ça? On peut fouiller? Non, planque de joueur. Ah, on peut dormir ici. Adhésif, ok. Eh ben écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein. J'ai bien compris que c'était dans la bonne zone, mais. Désolé, les habitants du bazar. C'est un peu vague. On se voit tout le monde, hein. Oh, notre jeu fait 500 heures. Il faut parler à tout le monde. Ouais, qui tu veux parler là? Ah, lui, il a un truc.
faut que tous les joueurs soient... Ok. Ouais, je me suis TP sur toi, c'est carré ça. Ouais. Quand on est pas à côté, on peut se TP. T'es allergique au fric, hein ? Écoute-moi, pèlerin. Toi et moi, on peut faire fortune. Tu dois juste... Je te raconte, lui. Comme ça. Des radis, des panais. Le voilà ! Attrape-le, Ed. C'est un assassin. Quoi ? Juliette, Luc a été empoisonné. Et pourquoi il y a Juliette dans le jeu ? Tu lui as vendu. Mais je m'en pas d'eau. Bizarre. Luc m'a dit que c'est toi qui l'a lui a procuré. Mais pourquoi il y a que des vendeurs noirs et une seule meuf qui les engueule ? Pourquoi il y a San ? Il y a San et Gazo. On dirait un cours d'allemand. J'appellerai pas ça des preuves, mais il essayait de m'embarquer dans une histoire un peu louche. C'est tout ce que je veux. Oh, mais on l'a balancé en fait. Ah bah ouais. Bon bah les couilles moi. T'as des preuves? Attends, je suis Aiden Bob Aiden. T'as des preuves? Bien sûr. L'eau était dans une bouteille. Luc a bu l'eau d'une de tes bouteilles. Quand je l'aurais dit à Carl. La comédienne a trop d'intention par rapport au personnage. Mais bordel, je prends pas d'eau. Le perso c'est un crackhead en plus. Genre pourquoi il fait la même chose. Je prends pas de l'eau, je te jure. Toi on a trop pris gros. Alors, on est dans la sauce, on est dans la sauce. Ça c'est pas grand. Eh ouais. Il voulait, tiens. Tiens. Mais y'a rien à faire ici, c'est chiant. Ah. J'ai parlé au gars. Oh merde. Un acte de vengeance. Tout le monde m'apprécie et je n'ai pas le moindre ennemi. Attends un peu. Ouais, c'est ça. Merde. Sauf c'est Marco, oui, je savais. C'était lui depuis le début. Quel enfoiré. Marco Di Maria. Il a une dent contre moi. Ça remonte à longtemps. Mais ah non, c'est Marco Verratti. Je confonds tout le monde. Il habite au-dessus d'un restaurant jamaïcain à l'ouest. Parlons de Marco Di Maria. Elle parle bien des Jamaïcains. Je lui ai échangé quelques kilos de meilleure farine. C'est Angelo en plus, je viens de m'en souvenir. Théma, c'est beaucoup derrière. Ça coûte rien d'aller vérifier. C'est beaucoup vide avec une feuille. C'est fait sur le dessus. Sort des scrolls, mec. Soi-disant, ils vendent des œufs frais. Hein. Tu veux bien le préparer. C'est des images d'olives. Ils collent sur le bocal, c'est un enfoiré. C'est comme... Oh merde, j'ai appuyé. C'est comme les mecs qui vendent des boîtes de PS5, là. Le bâtard. Pour une boîte de PS5, 500€. Oh, ouais, ça danse ici, hein. Ah, par contre, je... Pulse, hein. Ça pulse. L'autre jour, j'avais testé R6 Extraction. J'ai fait ça 5 minutes. Enfin, non, j'ai fait ça 30 minutes et après, ça m'a saoulé. C'est dur. J'ai pas trop aimé. Bien là. Mais je parlais aussi avec un mec. Mais je parlais avec ma meuf. On s'est pas déjà vu. Ouais. Oui. Je suis le gars que t'as failli faire pendre. Pourquoi s'inquiéter? Ah, t'es pas ma meuf alors. Pardon? Qu'est-ce qu'il raconte? Écoute, on n'avait pas le choix. Et Goumla Goumla Goumla. Si tu t'étais transformé. C'est Lena situation. Pensais, ça aurait été un vrai massacre. Goumla Goumla Goumla. Comment ça? Je sais pas, tu prends... Attends, non, t'as pas raison, t'es une folle toi. Elle est folle, elle. Les ténèbres, mon pote. Les chances étaient en ta faveur. Elle fait peur un peu. Je vois que t'as déjà un marqueur. Plus tu vas passer de temps ici, plus hein. Tu vas comprendre. Moi, elle fait peur. Règles sont strictes. Je la détruis dans tous les cas. Bien sûr. En même temps, c'est la fin du monde. Ouais, clairement. Même le mec qui vend des stickers d'olives là. Pour moi, il fait pas long feu. Hein. C'est lui qu'il faut aller voir là, je crois, le suivant. Le Canadien. Ah, je suis bloqué. Barney addiction. C'est Barney, je crois. Elle pendue. Barney Gamble. Ah non, c'est Urbain. Très drôle. Laisse-moi te dire un truc. Si j'étais toi, j'aurais souhaité qu'il m'achève. Tu préférerais avoir des morts inutiles sur la conscience? Je préfère avoir des morpions. Ouais. Eh bien, tout s'est arrangé, n'est-ce pas, pèlerin? T'as tué personne. En fait, Eden, il rentre ici, juste pour s'embrouiller avec tout le monde. Oui. C'est qui, Barney? Tout le monde connaît Barney ici. Oh oui. Pas moi. Raconte-moi.
Je m'inquiéterai pas pour Barney. Casse-toi de là, Barney. Curieux. Ça risque de l'énerver s'il le découvre et t'as pas envie d'avoir ce genre de problème. J'ai carrément envie d'en savoir plus maintenant. Ok. T'as bien fait la physique de son chapeau. Sophie. Certains disent qu'il est fou, mais c'est un pilier du bazar. Ouais, en 2011, ouais. Les pacificateurs ont peur de lui. Ils ont raison. Faut pas jouer avec Barney. Barney Gumball. Bon, jusqu'ici, la mission est pas ouf, hein. Barney, mais j'enclenche Barney, qu'est-ce qu'il me raconte? Tu crois que j'ai peur de lui? Je crois qu'il s'appelle Barney Zemmour. Hein. Il faut absolument que je réussisse cette fois-ci. Tu crois que j'ai peur de Barney? Moi j'ai peur de Barney? C'est dangereux. Vas-y, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle nous voit pas. Eh, on regarde. Regarde. Là, t'es en train de vibrer. On dirait vraiment un primate. C'est à côté de la porte. Montre qu'on est rentré. Ça dit qu'ils ont disparu. C'est pareil. On les retrouve jamais de toute façon. On dirait Samir. À quoi sert le panneau? Ça fait 15 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu pas mal de disparus. On dirait le mec boomerang dans Suicide Squad. Mon voisin a perdu ses deux gars. Je vois pas c'est qui, mais bon, il ressemble à Rémi dans Ratatouille. Ouais. A le courage. Moi je trouve qu'il ressemble à Sacha dans Pokémon. Mais c'est sans espoir. Je crois qu'il te ressemble un peu à IRL. Les recherches finissent. Ouais. Ouais. Je pense que le mur me ressemble aussi. C'est traceur nocturne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont presque morts. Je vais que voter contre toi maintenant. C'est les seuls à pas avoir peur de sortir la nuit. Pourquoi il se rapproche? Je sais pas, il est des hommes. C'est un roublard. Il n'en reste que quelques-uns du groupe d'origine. Dont Anne Frank. Leur ancien commandant. Oh, Franck Speroni. Super avant. Speroni. Il boit comme un trou pour oublier chez lui. C'est moi les développeurs derrière. Ils aiment trop mettre leur tête. De ouf. C'est russe là. Louskov. C'est arrivé quand? On fait quoi? Je sais pas, moi je vois pas le. Ah, tu vois pas? Je vois pas les choix là. Ah, il y a un blanc, j'ai entendu parler des gamins qui ont subi le test du GRE. Une bonne ambiance. Il n'y a pas participé. Jeune, vieux. Jeune, vieux, aveugle, sourd. Tout le monde voulait un vaccin. Ah, il n'y a pas dit noir. Certains pour le fric. Ouais, parce que c'est... Pour échapper à leur destin. C'est pas une origine. Ouais. C'est le pacte que Vildor a signé avec le diable. On était oh, le pif avec le fléau. Mais on avait une chance d'offrir un remède au reste du monde. Bon, le virus a gagné. Et ils ont le Covid-19 a gagné. Ça, c'est l'ennui qui a gagné, là. Les droits de l'homme et toutes ces conneries. Et comment j'en ai rien à foutre de lui. Il est bourré le mec. Elle devait avoir et elle donnait l'impression de pas. On dirait qu'on est en train d'écouter un clochard. Ah c'est beau, il reste plus qu'une seule phrase. Où sont passés tous ces enfants? Depuis tout ce temps. On est que ce clochard a du rond-point. Il est bourré ce mec. Ils doivent sûrement se trouver dans le. Allez, c'est bon. En fait, ça me trigger trop, les mecs, ils te racontent des histoires du passé à chaque fois. Ah, il y a beaucoup moins de monde d'un coup. Ouais, t'as vu ça? Je vais dire, c'est bizarre. Et tout ça pour rien. Mais putain. Est-ce que t'as trouvé les pièces? Quoi? Non, pas encore. Oh, je le savais. Je vais échouer. Yes. Attends, mais tu crois qu'il y a des quêtes genre... on va dire chronométrées? Genre le mec qui fait à 19h, tu devrais... Mais putain...
Arrête d'appuyer sur carré. Non mais il me demande tout le truc, alors que c'est très bien que j'ai pas les pièces. Attends. Ah, j'ai découvert un truc là-bas. Derrière toi. C'est quoi? Station électrique de Unfield. Tu sais, les meilleurs points. Oh putain. Non, c'est rien. J'ai un plan pour y aller. Allez, c'est par là. Rejoins-moi sur le toit. Ouais. Ah, c'est bon, il nous parle. Métro principal. Ok, c'est où? Ah, c'est bon, ça a changé d'endroit. Oui. Ah, c'est bon, j'y suis. Et tous. Racon. Hey, t'es un meilleur grimpeur qu'une folle que je connaissais. Bon sang, c'était quelque chose. Une grosse folle. J'ai même grimpé le plus haut bâtiment de la ville, la tour VNC. C'était une de tes épouses? Presque. Mais trop colérique, même à mon goût. Et ce passage vers le centre? Bien. Comment il a su qu'il était polygame? Tu vois clairement la base des pacificateurs. Mais ça se voit sur sa tête. Ah, c'est les méchants. C'est gentil, hein. Le méchant, c'est le focus, hein. Donc tu m'as amené ici pour jeter un œil aux pacificateurs? Les pacificateurs sont ton ticket pour le centre. Et je te l'ai dit, le seul moyen d'y arriver, c'est de traverser les tunnels du métro. Je vais entrer. Mais je t'ai pas écouté, là, quand même. Attention, loin de la plateforme. Ensuite, tu entreras dans la technique du métro. Il y a un sas là-bas. On le prendra ensemble jusqu'à la boucle centrale. On peut pas simplement leur demander de me laisser passer? Non, il y a aucune chance. Pour l'instant, chaque nouveau visage est un suspect potentiel du meurtre de leur commandant. Ils me connaissent. Je fais du commerce avec eux parfois. Je livre des lampes ou des... Commerce triangulaire. On peut toujours tomber sur des infectés là-bas. Mais rien qu'un pèlerin ne puisse pas gérer. Quand tu arriveras à la station principale, dis-le-moi. Maintenant, il faut aller dormir. Tu sortiras plus tard dans la nuit, quand il y aura moins d'infectés dans les tunnels. Non mais c'est vraiment la même mission que dans le premier jeu. Oui, citrouille. On bat les couilles. Ah, j'ai un écran noir, c'est normal? Oui. Aiden bag. Aiden bag bag. Akon, je vois une créature que j'avais jamais vue. Oh si, j'ai déjà vu avant. Mais... Elle ressemble à quoi? C'est une meuf. Elle est blonde. Ça ressemble à Wendigo. Pas de rose, mais... Ah, c'est vraiment beau ça. Ouais. Wendigo sans... On trouve des trucs intéressants sur le Wendy. Mais pour en choper un, il faut de bonnes compétences de chasse. Je pense qu'il gagne entre un Wendigo et un zombie. Va au tunnel. Ouah, facile. Hein. Bah, un gros, toi les gros zombies, je sais plus ce que ça me blase. Les colosses là? Ouais. Ah, c'est facile. Ah ouais, c'est là en fait. Putain, c'est cool, vas-y fais. C'est bon, je suis là. Alors, faites voir. J'ai jamais réussi dans des notes 1, je vais réussir dans des notes 2. Il me reste combien d'armes? C'est bon. Une seule, j'ai plus d'armes. c'est la merde au niveau des armes. Je vais tomber bien plus bas. Je sais pas où je vais, mais je vais aller hop. Oh, en fait, on aurait pu sauter, il y a des poubelles. Et moi, je rush. Je sais pas ce qui se passe quand je rush. Pas de blême pro. Je suis dans le tunnel. Ok, maintenant fais attention. Je suis dans le tunnel. Oh, y'en a un qui court! Quelques dizaines. Je suis dans la base des pacificateurs. Je vais lancer je suis bloqué. Tu vas par le conduit et tu verras comment atteindre la station principale. Ok. Faut les prendre, tu remplaces le truc de soin par les champignons. Et après tu fais croix. Je crois que c'est ça. Mais j'arrive pas. Attends, je peux t'en donner ou pas? T'en as? Si, j'en ai, mais attends. Tu restes appuyé flèche du haut. C'est ça. Oh, y'a des mecs partout. C'est bon, on est safe. Ah. Bacon. Ça fait du bien par où ça passe. Regarde autour de toi. Oh, j'ai une arme. Vers la station principale devrait être bien éclairée. Bon, graine. J'ai déjà attiré les gars. Enfin. Je vais
faire pendant que tu rentres. En 3, ça sera mort. Marteau 2. Marteau Tor. De plombier. Il bouge plus. Non, c'est bon. Oh merde. Ah oui, t'avais lancé un truc. Oh, il vomit. Il vomit. Faut pas voler comme ça, grand. Il vomit tout droit. Hein. J'ai un problème. La gueule. Imagine, ça explose. Est-ce qu'il faut le tuer? Oui. Hop. Oh, il est mort, il l'a chier. Facile en fait. Non, je suis dedans toi. Ah, je suis bloqué. Ouais, parfois ça bloque, c'est bizarre. J'avoue les fesses. Ah, je suis un gamin. Moi je pars. Attends, là, parce que je suis sûr qu'il y a un truc caché. 5 paquets. Voilà, un sac à dos. Résine, ok. Un autre. La merde. Ferraille. Qu'est-ce que tu fais ici? Aïe. D'où est-ce qu'il sort? Il est sorti à douleur hier. De la putain de racaille du bizarre. Elle n'empêche, la cinématique elle s'est lancée pile à 59 minutes. Hein. Ouais mais t'inquiète. Interrogatoire musclé. Il est réveillé. Ah, je fume des clopes. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais Lucy, ça va. C'est juste de prendre au centre de la ville. Le centre? Le tunnel restera fermé tant que vous n'aurez pas balancé les meurtriers de Lucas. Sale qui, vermine. Lucas? Comment est-il possible que personne n'ait rien vu, rien entendu? Et que vous ayez soudain oublié l'interdiction de passer. De quoi il parle en fait? Je crois qu'il y a un quiproquo. Hein. Oui, bah ouais, c'est ça. De rafraîchir la mémoire, hein? Qu'est-ce que tu faisais il y a 4 jours? Je suis un pèlerin. Il y a 4 jours, j'étais à des centaines de kilomètres d'ici. Ça suffit, Anderson. On a besoin de la vérité. Et tu l'obtiendras. Ça suffit, Mélusie. Mais commandant Lucas disait toujours. C'est moi qui commande. T'as lu les rapports? Un pèlerin s'est récemment pointé au bazar. On dirait qu'il ment pas. Laissez-nous, sergent. Je veux lui parler en privé. Oh. Ouf. Très privé, là. Ah, des gros bras, hein. Il est pris, hein. De Crossdale River. C'est à plus de 1500 km d'ici. C'est à 1500 km, en fait, putain, je savais. Ah, moi j'ai dit 2000. Ah, bah t'avais raison en fait. Et t'as réussi à arriver jusqu'ici. Impressionnant. Ah, ouais, mec. Comment ça se passe? Je crois qu'en anglais il a dit impressive. Non, tiens, en anglais là il va dire quoi? Non. Nous on va dire dangerous. Dangerous! C'est comment en dehors des murs? On sait jamais quand ça va vous tomber dessus, sans parler des territoires à explorer. Et... des nouvelles menaces. Le 93 score. Pour te mettre à l'abri. Parce que je cherche quelqu'un. Et on dit que pas mal de monde a survécu à Ville d'Or. Tu cherches quelqu'un. Je peux peut-être t'aider. Peut-être quelqu'une. J'ai l'habitude. Dis toujours. Pas de bêtises. C'est bon. Le tunnel reste fermé tant que j'aurai pas trouvé le meurtrier de notre commandant. Le commandant Lucas. On a retrouvé son corps au bazar. Atrocement mutilé. Les gens du bazar nous facilitent pas la tâche. Ils sont fiers et fidèles. Ils refusent de dénoncer qui que ce soit. Mais le commandant perd patience. J'ai des ordres qui viennent d'en haut, pèlerin. Si les habitants du vieux Ville d'Or ne scannent pas rapidement, notre armée viendra ici et réduira en cendres le bazar. Je préférerais éviter ça. Qu'est-ce qu'il te faut? Lucas avait une arme. Un point américain assez rare, surnommé Lazare. C'est la clé si on veut trouver le tueur. Si t'entends un truc sur le Lazare, préviens-moi. Je te promets que je te revaudrai ça. Il vaut un paquet. Et on l'a pas retrouvé sur lui.
Je pense qu'un habitant du bazar l'a peut-être récupéré. Ok. Et pourquoi je devrais bosser avec toi? Vous m'avez attaqué et accusé de meurtre sans la moindre preuve. On s'est planté. C'est clair que t'es pas l'assassin. Pourquoi tu peux pas y aller toi-même? Je connais personne ici. Comme dans tous les jeux. Précisément pour ça que j'ai besoin de toi. Ils refusent de nous parler. Ils nous voient comme des occupants. Le fait qu'on nettoie les rues désinfectées et qu'on attrape les criminels, ils s'en cognent. Ce qu'ils voient, c'est qu'on boit leur eau et qu'on mange leurs réserves. Mais t'es un pèlerin. Tu peux faire pas mal de choses pour eux. Et en plus, t'es de l'extérieur. Ils te feront confiance. Ils ont essayé de me tuer. Écoute, c'est ta dernière chance. Si tu comptes toujours rejoindre le sang, bien sûr. Alors, tu vas m'aider? Ça se voit, j'ai 23 ans. Donc... J'ai pas envie d'être impliqué dans vos histoires. Si vous Est-ce avez... que c'était un choix déterminant, ça? Ah ouais? Je sais pas. Je te retiendrai pas de force. T'avais pas le truc de vote? Non, je sais pas, j'ai pas regardé, c'est sur tel. Coopérer avec les pacifiques. J'avais soit le choix de dire oui, soit non. En gros. C'était pas écrit comme ça, mais... Ok. Bah, faut s'évader, hein. Bonne nuit, bonne chance. Incroyable. Bonus de nuit. Bonne nuit, bonne chance. Bah, ça va, on peut sortir. Salut. J'avais pas vu d'uniforme comme le tien avant. Je suis un coursier. Ah, normal! C'est quoi ça? Depuis la Deuxième Guerre mondiale? Je n'en suis qu'un. Nous sommes cachés en Argentine. Vous êtes aussi nombreux, pourquoi j'ai jamais vu votre uniforme? Mais c'est la poste. On est discret. Oui. Ton profil n'est pas si bas que ça en ce moment. En effet. Je suis un L. Passage. Tant que ça changera pas, je... Quelle merde. Je peux rien faire pour toi. C'est donc à lui que je dois parler. Oh, je suis fatigué. La zone a été ravagée. Je te jure, le jeu est assuré à mon âme. En fait, je me sens moins impliqué que dans n'importe quel autre jeu. Hey, Akon, t'es là? Hey, mon pote, c'est bien que tu sois vivant. Akon. J'ai été chopé et interrogé. Bon, ils t'ont pas tué. Retrouve-moi dehors. Quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui... Mais Akon, c'est une gueule, c'est incroyable. Tu dois nous aider. Vas-y, va là et tout. Et après, va là-bas. Regarde. Regarde comment je suis riche. Attrape. Je change des pièces. Il faut que je ramasse. Non mais tu sais, c'est vraiment de l'argent en plus. Oui, je sais. Attends, je change des pièces au gars. Ça va, ils t'ont fait mal. Vas-y, viens. Oh, ça tout, hein. Mais j'ai plus de vie. Si tu veux, comme tu l'avais dit, je... Hop. Hey, j'ai fait de mon mieux, moi. Je savais pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans le tunnel. La mort de Lucas est une grosse affaire. Ils aimaient cet enfoiré comme un père. Aitor n'a pas le charisme de Lucas. Il va avoir des problèmes. Je sais pas, Akon, il a l'air louche un peu. Tu penses qu'il est pas gentil? Aitor a dit qu'il non, je sais pas, il se fout de notre gueule. Si je l'aide. À chaque plan avec lui, on est c'est brouillé. Comme Louis. Il m'a demandé de trouver l'arme de Lucas. Le laser. Oh, mais aussi. Il a disparu de la scène de crime. Il pense que ça l'aidera à démasquer le tueur. Le laser, hein? Un joli point américain, non? Et donc, il faut juste le retrouver. J'ai refusé. Quoi? J'ai pas envie. Ah merde. Pour ah du coup, j'ai refusé. Comment tu comptes rejoindre le centre? Une étape à la fois. Eh merde. Tu vois, je te croyais plus futé. Je vais trouver un autre. Ouf. Ok. C'est pas futé, mec. C'est peut-être mieux comme ça. Les pacificateurs respectent la force. Ils comprennent que ça. Allons trouver cette salope. Voilà. Comme ça, Aitor aura eu ce qu'il voulait. Sans pour autant que tu joues les larbins. T'auras l'avantage. Voilà. Ah bah c'était bien en fait. Maintenant. À toi.
Non, c'est écrit à toi maintenant. Des objets volés et d'autres trucs qu'il récupère auprès des voleurs. Un receleur ? Un receleur à mi-temps, un arnaqueur à plein temps. Un ingénieux aussi, tiens. Il a la moitié de la ville au cul pour des dettes en ce moment. Si quelqu'un à Ville d'Or était assez fou pour acheter une arme de pacificateur, ça serait lui. C'est quoi son nom ? Hubert Kerbatsos, aussi connu sous le nom de Ubi Lapoisse. Il s'installe tous les jours près du moulin avant. Et il attend les clients. Il vend sûrement de l'alcool et de l'herbe au pacificateur. Si tu veux trouver le Lazare, parle à Ubi. Je vais chercher d'autres pistes. Ok, je vais essayer de le trouver. Tu verras, ça va rapporter gros de le trouver. Bourbier. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être très compliqué ce jeu. Ah ouais, c'est des méchants, putain. Ils sont gentils ou ils sont pas gentils? Non, ils sont pas gentils. Et ceux qui sont pas gentils, il faut les tuer ou pas? Bah je sais pas. En fait, je pense qu'ils ont des trucs de valeur si tu veux, mais... Allez, je lance de la pièce. Oh, il brûle. Ouais, regarde. Oh. Parce que je peux plancher. Hop, il est mort. Il s'est empalé. Oh vite, il a appelé les renforts, putain. Comment c'est le mec qui est chaud? Voilà. Qui est chaud maintenant? Hop. Ah, mais pourquoi il s'en prend à moi? C'est un méchant. Non mais je pensais qu'il y en avait plus. Ah ouais, il y en a plein en fait. Oh oh oh. Molo hein. Comment on fait déjà le truc de saut là, super stylé? Ok, attends. J'ai presque fait, attends, regarde. Vas-y, vas-y. Comment on fait? L1. Ah, ok. L1, pas de chez R1. Et voilà, plus de bandits. Bandinho. Bandit Black Ace. First try. Allez, j'ai tout voulu, t'as rien eu. Ah si, j'ai eu. Non, t'as rien eu. Ah, comment il est mort? Michael Jackson. What the... Ce truc jaune. Regarde, les gens qui dorment, regarde. Il dort? Allez, réveille-toi, grand. Réveillez-vous, les gars, réveillez-vous. Ah, me casse. Je prends un itinéraire bis, hein. Bismillah. Bissau. Guinée-Bissau. Pour l'instant? Oh, y'a un mec. Y'a deux mecs. C'est qu'on enclenche? Attends. C'est des mecs de la garde. Hein. Et alors, j'en fous. Attends. Ouais, ils sont quel niveau? Ah oh, je suis tombé! J'ai plus de vie. Tu combats là? Ah ouais, j'ai entendu me battre. Ok. Parce que je suis tombé en fait. À base de coups de poing. À base de popopopo. Je vais mourir. J'ai l'impression que c'est plus compliqué qu'avant d'escalader. Hein. Viens, oh, je vais tomber. Je me suis rattrapé au dernier moment. Ouais, mais ils se TP les mecs. Il y en a un qui est tombé. Mais. Attends, couteau de lancer. Tiens. Allez, je me soigne devant lui. C'est bon. Je pense qu'ils avaient du loot ou. Ou si on descend. Ah, ah. Ah.
J'ai glissé. Avec con. Molenbeek. Oh. C'est là? Attends, mais comment? Oh, mais c'est trop dur. C'est trop? Je comprends rien. Faut faire à la courte échelle? Ah, par là peut-être? Non, mais... Ah, et là, il y a une plateforme. Ah, il faut attendre. Ok. Ah, mais comment t'étais grave glitché? Attends, regarde-moi. Regarde-moi. Vas-y. Je t'entends. Wow, 360. C'est lui le mec? Ah, je vais le taper moi. Hubert. Nope, pas moi. J'attends Ubi aussi. Alors fais la queue. Parle bien toi. Eh, t'étais mort. La tienne ou la mienne? Il est mort, il est mort. Est-ce qu'on peut vraiment tuer tout le monde? Donc ça vaut la peine d'attendre, mec. Y a rien d'autre à faire qu'attendre, j'imagine. Ouais. On tamponne. On passe beaucoup de temps à attendre. Ah ouais, gars, ça, c'est le cycle de la vie. Moi, je pensais qu'on jouait aux jeux vidéo pour se divertir, mais on a. Hey, il s'est téléporté. C'est toi, Hubert? Qui veut savoir? Un client. Bon, on l'a vu tout à l'heure, lui. T'es l'étranger qu'il voulait pendre, non? Mais oui. Hé, hey, Ubi! T'as un client spécial! C'est le pèlerin du bazar! Attends, je vais acheter un truc, c'est tout! Mais lui aussi, on l'a vu il y a 5 secondes! Mais. Ouais. Putain! Apparemment, il surtout comment il l'a entendu à cette distance! Mais il y avait écrit Benny! Ah, il faut choper! Et Benny, oui! Ah, mais il est là! C'est ça! Non, mais lui, c'est fake Ubi! Ah! C'était le premier mec qui est vrai! Ouais, ça me dit rien. Mais pourquoi pas? Allons nord-est. On a une minute pour l'attraper. Passe à gauche. Moi je passe à droite. Tu l'as presque chopé. Passe à gauche. Passe à gauche. Oh putain, la corde. La corde raide. Oh, je t'ai mis une vitesse. Mais je suis tombé dans les poubelles, ça m'a ralenti. Merde. Ah ouais? Ah! Péter les genoux. T'entends. Mais. Wesh! Je suis dans une texture. Non, c'est bon. Bon, il est où le man là? Il met 30 secondes à se lever lui aussi. J'ai perdu. C'est où? Bacon. Il est pas là. Bah, impossible. Là, il s'est téléporté hein, pour le coup. Cette petite fouine doit se cacher. Regarde autour de toi. Ah, tu vois le bâtiment du GRO. Ah, ouais, ouais, toi. Et gras. Il monte sur le toit. Vous montez par le là, tu. T'as réussi? Je vais me se péter la gueule, ouais. Par ça, là? Mais c'est beaucoup trop. Oh, j'ai gagné un niveau de parcours. Mais ça s'accroche pas. Oh. Ah ok, derrière. Alors, j'ai gagné un niveau de parcours, c'est quoi alors? Atterrissage, j'en fous. M'enferme. Sauter. Atterrissage. L'escalade. Non, c'est la courte endurance, je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi mais... Ah. C'est pas lui, Hubert. Ah non, aussi. C'est pas lui avec ses wagons. Avec tes pétos. Ah. Y'a plus. Ah si, c'est bon. Il avait pas un bonnet tout à l'heure, il avait pris une calvasse. Eh, mais c'est le mec qui était au bar. Ne me fais pas de mal, je sais rien. À propos de quoi? Je t'ai encore rien demandé. Je sais rien sur rien, je le jure. On m'a dit que t'étais un receleur. Un receleur? N'importe quoi. Revendeur, peut-être. Je cherche le Lazare.
Il était à Lucas, le feu commandant des pacificateurs. Et n'essaie pas de me dire que tu sais pas qui est Lucas. Bon, ben, je sais pas. Tu sais rien sur le Lazare ? Tu rigoles ? Même si on m'avait offert ce poids américain, j'aurais refusé ! Je suis pas idiot. Cette arme est un sujet bien trop brûlant. Ok. Pourquoi tu t'es enfui en me voyant ? Parce que toutes les 5 minutes, quelqu'un s'en prend à moi ! Ok, j'ai peut-être donné aux gens une raison d'être en colère. Mais je vais arranger les choses ! Bientôt ! Un jour ! Comment tu savais que le Lazare était un point américain, hein? Je te l'ai pas dit. Allons, tout le monde connaissait le petit gant d'amour de Lucas. Il était toujours en train de le montrer. Si quelqu'un pensait que je l'avais, il pense peut-être aussi que je l'ai tué. Mais c'est des conneries. Et quelqu'un a bien cherché à te le vendre, pas vrai? Je t'ai dit que... Mais je peux pas dire qui c'est. Confidentialité. Arrête de déconner. Dis-moi, sinon... Je l'ai rencontré dans l'immeuble de Meatpacking Square. Mais c'est ce que je sais. Alors laisse-moi. Il surplombe une caserne de l'armée ou un truc du genre. Je trouverai ça tout seul. Ok. On doit faire quoi? Hubert a dit que quelqu'un a essayé de lui vendre le Lazare. Non. C'est bizarre, on aime toutes les filles ici. Je vais vers Meatpacking Square. Meatpacking Square, un endroit pourri. Il y a des baraquements que l'armée a installés en 23 quand ça a dégénéré. Elle est censée être dans un bâtiment qui les surprend. En 2023 ? Ok. Ouais. Mais c'est ça, on est en 22. Hop. Objectif mise à jour. Oh, vite. Oh, regarde, il y a un mec qui s'est enclenché en bas. Ah ouais. Alors regarde-moi, est-ce que je survie ou pas? Tu me sautes dedans. Je pense pas. Oui, survie. Quoi? Viens là. Ah ouais, moi aussi. Truc de ouf. Oh, tu t'enfuis. Viens là. Il est où? Bah ses potes sont là. J'ai mis un couteau dans le dos. Putain, il avait beaucoup de trucs sur lui hein. J'ai volé ses chaussures. Et un bracelet. Cocktail Molotov. Ah ouais, il avait plein de trucs. Chaussures du dimanche. Oh, c'est bon hein. Après le reste, ça me regarde pas, hein. Tite. Pas d'eau. Il y a un zombie derrière, il arrive. Non, c'est un humain. Oh, il tape que moi. Comment il se fait mêler. Je crois qu'il y en a d'autres, hein. Médicaments à manger. Ah. My die. Oh, je me suis cassé. Horrible. Je suis passé par la fenêtre. Après la poudre d'escampette. J'avoue. Ouais, parce que là. C'est bombé. Je suis tombé. Du jus de connard. Du jus ? Non, du jus. Putain, et mon perso il fait des sauts, mais irréaliste, c'est incroyable. Ah, on est au moulin ? Yes ! Au moulin en balle. Comment on l'a qui ? Oh, faut monter tout en haut. Ah. Mais c'est le truc qu'on a fait tout à l'heure. Non, je pense que c'est un autre moulin. Tourne. Bon, on se fait attaquer. Tourne moulin.
Je sais pas. J'avoue qu'il y a une musique qui s'est déclenchée, mais je pourrais pas vous en dire plus. Il me provoque. Non, viens, viens, je vais descendre. Ah merde, mais je suis en haut. Non, mais viens, viens, viens. Oh putain. Attends, est-ce que je peux l'activer tout seul? Comme ça, c'est fait. Oh putain. Sancho Panza. Sancho Panza. Trophée. Trophée. Il traduit tous les mots. Eh bah, c'est ouf. Structure de fraction. Activer un moulin avant pour créer des zones sécurisées. Ouh. Et comment je descends? Eh bah, pas comme ça. Allô, on peut claim les endroits et tout. Ah ouais. Il fait presque nul. Ah mais t'es mort. En fait, quand t'es en haut du moulin, y a rien pour redescendre. Ouais, t'as disparu. Eh ouais. En fait, le chrono, il est pas très très long. C'est bon. I'm back. C'est la guerre. Ah, si, vas-y, je taille. C'est-à-dire? Coucher. Ah, ok. Vas-y. Hein. Attends. Se mettre en endroit safe. Ah ouais, bah c'était safe là, non? Les sirènes. Le truc vert là. Oh ouais, mais c'est pas assez safe. Là, ici. Ah oui. 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 Pourquoi des sirènes? Bah ça va être la nuit. Non, bon. Jusqu'à minuit, et hop. Putain. Et voilà. Ah. Je suis bien reposé. Les gens qui crient, ça fait peur. Yala! Ah, ça marche pas du tout le truc d'amortissage. T'es mort! Bon, vas-y. Ils arrivent vers toi là. Non, mais t'es tombé où? Je suis tombé trop bas. Mais t'as sauté sur une bagnole en même temps. Et moi je pensais que. On pouvait amortir quoi. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Bah dis donc. Genre j'ai ça en illimité ou quoi? Non. Ah bah non. Roi hier illimité. Ça c'est quoi? Prends ton envol. Ah c'est un skin. J'ai un autre skin là? Il est où? Ah t'es plus là? Ah oui. Merde, du coup on saura pas si j'ai un skin. Bah j'espère que ça va sauvegarder hein. Heureusement j'ai la lampe allumée. Ce jeu. Oh là, j'ai pêché des oignons.